Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'hygrométrie pour les plantes d'intérieur. En ce moment c'est un petit peu difficile pour nos jeunes urbaines. Avec le chauffage, l'air est beaucoup trop sec dans nos logements et nos petites plantes apprécieraient beaucoup un taux d'humidité plus élevé. J'ai fait toute une série l'an dernier sur ce sujet, vous retrouverez la playlist en barre d'infos, mais vous êtes très nombreux en ce moment à m'en parler, à me poser des questions et sur Instagram vous avez voté pour avoir une nouvelle vidéo sur l'hygrométrie, donc c'est parti. J'en profite pour vous dire, il va y avoir un concours dans la vidéo avec la marque Undergreen qui vous offre un flacon de pluie d'amour. Mais ça, on en reparle un petit peu plus tard. Quel est le bon taux d'humidité? Alors, il n'est pas le même pour toutes les plantes, mais quand même, globalement, les plantes qui ont besoin d'un taux d'humidité assez fort apprécient qu'il soit au minimum de 70%, voire 80 ou 90% pour certaines. Alors, pas de panique quand même si l'air est super sec chez vous. Déjà, les plantes ont tout de même une capacité d'adaptation. Donc, je trouve qu'à partir de 60-65% quand même, il y a beaucoup de plantes qui arrivent à s'adapter. Comment savoir si l'air est trop sec? Le plus simple, le plus fiable, c'est l'hygromètre. Alors moi, j'ai une station météo en fait qui est équipée d'un hygromètre. En fait, toutes les différentes sondes sont équipées d'un hygromètre. Donc, je peux savoir directement là où je place mes sondes, quel est le taux d'humidité dans l'air. Alors moi, j'oscille entre 45%, 53%, j'oscille en général entre 40 et 55%, ce qui est quand même assez faible. Donc vous allez voir, mes plantes arrivent quand même à être super belles, donc j'ai des petites astuces qui vont vous aider. Il existe aussi des hygromètres plus basiques, et sinon vous n'êtes pas obligé d'investir, vous pouvez observer vos plantes, leur feuillage va vous parler. En fait, quand l'air est trop sec, les feuilles commencent à se dessécher et ça commence systématiquement par le bord et les pointes. Là, vous pouvez le voir, là sur mon Calathea, il y en a un petit peu sur mon Phlebodium quand il a commencé à souffrir un petit peu de l'air qui était trop sec, mais vous allez voir, j'ai arrangé ça. Je ne voulais pas me répéter trop par rapport à toute la playlist que j'avais fait l'an dernier, donc je me suis dit, là je vais attaquer la vidéo, je vais vous montrer mon plan d'attaque pour gérer le taux d'humidité dans l'air pour mes plantes d'intérieur dans cet appartement qui est particulièrement sec. Le premier point, ça va être d'identifier les plantes qui ont besoin d'une hygrométrie assez élevée. Alors il va y avoir la plupart des plantes tropicales, il va y avoir les plantes de sous-bois comme mon Phlebodium aureum, certaines orchidées aussi et bien entendu les conifères. Regardez lui par exemple, il ne faut pas hésiter à le brumiser. Pour vous faire une idée, il faut penser au milieu d'origine des plantes que vous avez dans votre intérieur et ça tout de suite, ça vous dira de quel genre d'hygrométrie elles ont besoin. Maintenant, on aborde vraiment le plan d'attaque en lui-même. Alors, le premier point dans ce plan d'attaque, moi, c'est que j'éloigne les plantes de toute source de chaleur. Il fait toujours plus sec à proximité des radiateurs, des poêles, etc. Par exemple, prenez cette console sur laquelle sont placées mes plantes. À la belle saison, elle est repoussée vers le radiateur. Mais dès que la période de chauffe arrive, je la déplace pour éloigner déjà les plantes qui sont au plus près. Deuxième étape de mon plan d'action, je brumise mes plantes. Pulvériser de l'eau en fine brume sur le feuillage, c'est pratique, c'est efficace et ça ne nécessite pas de réorganiser ses plantes. Un petit avertissement, on évite de brumiser les plantes qui ont un feuillage duveteux et de manière plus générale, j'avais fait une vidéo dans la playlist sur les plantes à ne surtout pas brumiser, donc je vous invite à vérifier quand même avant de vous mettre à la brumisation. Cette année, il y a un truc qui est sorti et que j'adore, c'est la pluie d'amour de la nouvelle gamme Undergreen. C'est un mélange d'eau déminéralisée avec des tensioactifs et ça, c'est parfait pour brumiser le feuillage des plantes sans avoir d'affreuses traces de calcaire. Et alors, ce petit pulvérisateur, il a un plus qui est énorme. Il diffuse une brume ultra fine. Donc on ne se retrouve pas avec des grosses gouttelettes sur le feuillage comme ça a pu m'arriver avec des pulvérisateurs pas chers par exemple. Donc on se retrouve avec une brume ultra fine qui va se déposer tout doucement sur le feuillage et ça, ça fait vraiment du bien à nos plantes. D'ailleurs lui là, je vais lui remettre une petite dose. N'oubliez pas, vos sapins de Noël, le fait de les brumiser les aide à tenir le coup. Et comme chez Undergreen, ils sont très chouettes, ils ont accepté d'organiser un jeu concours pour vous faire gagner un flacon de pluie d'amour. Donc le concours se passe comme d'habitude sur Instagram, vous trouvez le lien en barre d'infos, il faut tout simplement liker et commenter la photo. Un petit truc par rapport à la fréquence de brumisation, je brumise tous les matins, moi c'est devenu un rituel en fait en même temps que je bois mon thé ou mon café et je n'hésite pas quand je suis à la maison à brumiser en tout 2 à 3 fois par jour. Et par contre je ne le fais jamais le soir parce que là ça peut provoquer l'apparition de champignons sur les feuillages. On passe à la troisième phase de mon plan d'attaque. Je vous l'ai dit, il y a des plantes qui n'acceptent pas la brumisation et il y en a certaines pour qui ce n'est pas suffisant. Cette année, j'utilise donc une technique, en fait c'est la technique de la coupelle d'eau avec des billes d'argile, sauf que moi je trouvais que les billes d'argile ce n'est pas très très esthétique, donc je les ai remplacées par de la perlite. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé si c'était efficace, écoutez, je le fais depuis plus d'un mois sur mon Phlebodium aureum et aussi sur un petit Calathea et un Syngodium et honnêtement, ils vont super bien.
J'ai fait une bonne couche de perlite au fond d'une coupelle. Ensuite, je viens verser de l'eau qui s'imbibe dans la perlite. Ensuite, en séchant, les billes de perlite vont dégager en fait toute l'humidité qu'elles ont absorbée. Et là, ça va augmenter l'air ambiant. Alors, il y a quand même deux astuces pour que ça fonctionne bien. La première, c'est que le fond du pot ne doit surtout pas être en contact avec l'eau. Sinon, il y a sans arrêt de l'humidité qui remonte dans le pot. Et là, en général, on a un problème de moisissure et de pourriture des racines. Donc ça, c'est très très important. Et le deuxième point, c'est qu'il faut que la coupelle soit bien plus large, d'un diamètre bien plus grand que le ou les pots qui sont posés dedans. L'humidité s'évapore autour du pot, donc si la coupelle est trop petite, en fait, il ne va pas y avoir beaucoup d'espace et ce sera totalement insuffisant pour avoir une augmentation significative de l'hygrométrie. Donc il vous faut une coupelle bien plus large, là c'est ce que j'ai fait, et pour tout vous dire, mon Phlebodium aureum va beaucoup mieux. Il commençait à avoir des feuilles qui se desséchaient malgré les bromisations régulières, et depuis qu'il est dans la coupelle de perlite, en fait, le problème est arrêté. Il n'y a plus que les feuilles qui ont été desséchées au départ, mais en tout cas ça n'évolue plus, il conserve un beau feuillage très très vert. J'espère que cette petite routine vous a plu. N'hésitez pas à participer au concours. N'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos de la playlist, elles sont bourrées d'informations. Et s'il vous reste des questions, surtout, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.